télé internet yexi na Sénégal. Ku bëgg xam lan moy télé internet, commandel sa box Android fele ci Sar Mega IP TV, box bi 30,000 francs lay jar. Abonnement Satek Mega IP TV 39,500. Ngeen am plus de 8,000 chaînes live, chaîne sport, chaîne novelas, chaîne information. Di ngeen am chaîne yu ngeen bëgg ci box Android bobu IP TV. Ku am télé smart TV jaru nga jënd box bi, application bi rek ngay télécharger, mën am abonnement bi 1 an. Ku bëgg am plus d'informations, contactez le 77 535 97 62 ou le 118 104 77 43. Fait fou de l'installation se fait partout au Sénégal. StarTech, c'est la télé internet à volonté. Ça marche avec la connexion. Donc ku amul connexion internet do ci mëna sétane. Donc, il faut ngeen am connexion internet bu baax pour mëna sétane la télé internet StarTech Mega IPTV. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Chaque jour, je vous remercie contentement, Diakalog, sur nos chers inconditionnels. Donc toujours, donc moi, je les chers inconditionnels, vous savez, ils ne se fatiguent pas pour donc vraiment jindou connexion di sétane donc les virgo de Grégoire Omnisport. Donc ma len di beugé yeneup. Donc Alsandia a quitté ce bas monde. Donc Alsandia, un grand technicien du Sénégal, vient de rendre l'âme, ñu koy jalé le monde du sport, sa famille et ses proches. Yalla ko yalla yeureum xara ko aljana. Motax on va parler de Alsandia. Kan moy Alsandia? Parce que ñu bari xamuñu ko. Donc on va essayer de vous retracer le parcours de Alsandia. Alsandia a quitté ce bas monde ce vendredi 2 avril 2021 à 4h du matin à l'hôpital principal. Le directeur technique de Tengue FC n'a pu résister à une longue maladie. Né ndax fièvre, fièvre bu yag lolo tax. Donc yalla mudju ko mom. Donc né en 1953. L'enseignant et ancien joueur puis coach des Niay. Donc né 1953 le judo. Donc mi am 68 ans. De 1953 pour 2021, c'est 50, donc c'est 68 ans. Donc enseignant lone, ensuite mon joueur, ensuite mon coach des Niay de Pikine est devenu au fil des ans un technicien chevronné. Il a d'ailleurs donné à l'AS Pikine de Ibrahim Sen, Manin Beyouba, Nyomomo Faye, son premier titre en champion, donc de, son premier titre de champion du Sénégal, AS Pikine en 2014, mon génération, n'ont pas obsédé à Nyom, Adama Mbaye. Donc 2014-2015, l'année gagnée, donc le titre de champion du Sénégal, le quatrième à son arc, coiffant au poteau le girafe. Donc Niay de Pikine, AS Pikine, Niay de Pikine, AS Pikine. Donc 4 titres de champion. Donc vraiment, c'est le très haut niveau. Équipe qu'il a eu à entraîner, de même que la SEIB, moi je suis en cause, l'AS Douane et Guédouard Football Club. Donc, j'ai un faux vieux. Quelques semaines plus tard, il termine la saison en beauté avec une Coupe du Sénégal au détriment de l'Olympique d'Angor. Donc, il a réalisé un doublé. Mon 4-2-3-1, mon système fétiche. 4-2 milieu terrain, 3 attaquants derrière le numéro 9. 2 excentrés, un numéro 10 derrière un numéro 9. Donc il est sorti major de la promo, de la promotion en 1988 devant Ablaye Sarr, devant Demba Mate Ndiaye. Donc technicien ici Alsane Dia a été devant ma neuf tassi mo len raw né top len sama ginaaw mo sen imam devant Ablaye Sarr, je génération et Demba Mate Ndiaye de Casasport, un stage d'entraîneur dirigé à l'époque par l'ancien coach de Lyon Claude Leroy. Donc s'il est gelé en 2005, il conduit l'équipe nationale du Sénégal locale en finale de coupe Amilcar Cabral. Donc, il a gagné le championnat du Sénégal avec la Sonacos, avec l'AS Pikine aussi. Donc le monde du football pleure aujourd'hui ce technicien hors pair, instructeur CAF, humble et généreux. Donc vraiment c'est une grosse perte. Donc gis télé mi wax lu bari et tout, mais c'est un grand bosseur ta xamna limi def. Donc bokk na ci entraîneur yi gëna titré fi Sénégal. Donc on voulait rendre un hommage à Alsane Dia. Voilà, ñu ci profiter aussi di donc ñala aussi Pape Diouf, parce que ça fait depuis quelques jours donc ñu don fêté, c'est un an de ses décès, donc de son décès donc à la suite du Covid 19. Donc ñom Habib Bey, Marcel Desailly, les supporters de l'Olympique de Marseille, donc le monde du football a rendu hommage à Pape Diouf, le seul africain à diriger un club européen et il est sénégalais, donc c'est une fierté. Donc, vraiment gars dañu wara délo ñu kul peut duñ siw parce que le football local c'est pas très très médiatisé, mais c'est un très grand. C'est un très grand. Amsatou Fall, mi nga xamné dans le monde du football, dans le monde du sport Sénégal, ñep xam nañ ko. Il a témoigné donc à l'endroit de Alsane Dia. Mune mes condoléances les plus sincères à sa famille, à la fédération qu'il a occupé plusieurs fois le poste de sélection nationale. Au Tengue FC, néna mu ngi len di jalé
lu bare 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 mune l'un des plus grands entraîneurs du Sénégal doublé de formateur hors pair par son expérience genre ils sont discrets mais ñi formé kenn mënu ko xam mune une nouvelle effroyable nouvelle bu metti daanu na fi donc la faucheuse une fois de plus a frappé fort nous devons rester fort non lako dren maxi waxe donc nous devons rester fort et prier pour ceux qui nous sont précédés parce que Talleyrand waxnako Antoine donc de Talleyrand néna on passe notre vie à dire adieu à ceux qui partent jusqu'au jour où on dit adieu à ceux qui restent à chaque fois dañ ñaanal ñi dem mais connaissé heure dina jot donc ñuy ñaanal Abdoulaye donc Alsane Dia ñom Pape Diouf yalla neen yalla yeuram surtout Alsane Dia ñu koy jalé famiyam parce que perdre un proche c'est difficile mais c'est un grand monument donc un grand technicien du football sénégalais qui a rendu l'âme donc yalla ko yalla yeuram xaré ko Aljana donc Mame Ali Camara donc le grand consultant l'expert Malé Bégué dila Bégué